Jusqu'où ira Paul sur TF1, depuis qu'il a fait ses premiers pas sur le plateau des 12 coups de midi. Le jeune homme et chouchou de Jean-Luc Reichmann n'est jamais retourné dans l'ombre. Le célèbre maître de midi a beau avoir été récemment détrôné par Bruno, le champion en place du jeu de la première chaîne. Il ne cesse de prendre du galon sur le petit écran. S'il participe à toutes les émissions spéciales des 12 coups de midi. L'étudiant en histoire, qui a touché les téléspectateurs en révélant qu'il était atteint du syndrome d'Asperger, vient de décrocher un tout nouveau rôle dans le programme. Le 28 août prochain dès 21h05, les fans des 12 coups de midi auront ainsi la joie de retrouver un nouveau prime événement baptisé les 12 coups de la rentrée. L'occasion pour Jean-Luc Reichmann de mettre fin aux grandes vacances dans la joie et la bonne humeur. Pour ce faire, l'animateur sera également bien entouré puisque Valérie D'Amido, Patrick Fiori, Kéan V et Agustin Galliana seront de la partie. Des invités surprises seront également au programme tels que Amandine Petit, Miss France 2021, Laurent Mariotte, Patrick Bruel, Moundir ou encore le dessinateur Emmanuel Chaunu. Pour la première fois de l'histoire du jeu, les guests seront en binôme avec 4 enfants, âgés entre 10 et 12 ans. Mais l'émission spéciale des 12 coups de midi ne serait rien sans ses champions. Jean-Luc Reichmann a fait appel à Alexandre, le tout premier des plus grands maîtres de midi. Et Bruno, l'actuel champion. Le mari de Nathalie Lecoultre n'a bien évidemment pas oublié son cher Paul qui aura un rôle très spécial. Il se glissera dans la peau du super professeur Wiki Paul afin de commenter les questions de culture générale. Un nouveau rôle parfait pour le jeune homme qui adorait rectifier Z et faire quelques petits commentaires lorsqu'il était encore en compétition. Cette nouvelle responsabilité n'est pas sans rappeler celle de Christian Quesada. Avant le scandale et son incarcération, ce dernier endossait le rôle du professeur pour révéler si les candidats donnaient de bonnes ou fausses réponses. Une responsabilité désormais confiée à Paul qui va définitivement le rayer de la carte.